Ouais. Il y a un Lego, quand je peux pas le ranger, ça finit forcément cassé. Ouais. C'est ça qui est chiant. Il faut obligatoirement un endroit où le poser ou quelque chose, parce que sinon il finit forcément cassé. Ouais. Et après, tu perds des pièces et tu peux même pas le reconstruire. C'est ça. Ça, Oh, mais je sais pas si tu l'as déjà raconté, une fois il m'est arrivé un truc. Il y a longtemps, hein, quand on a habité à Toul, c'était quand j'étais venu chez Paps, j'avais ramené le faucon Guillaume, tu vois. J'avais le faucon dans mes mains. Et j'étais devant la porte de Paps, tu vois. Et moi, j'avais pas fait gaffe, j'avais oublié que la porte, elle s'ouvrait de l'extérieur. Parce que j'étais hyper près de la porte, je laisse imaginer la suite. Paps, il ouvre la porte, et là, le faucon, il se prend la porte dans la gueule. Le machin, il tombe par terre, et là, il y a tout qui... Bon, heureusement, il n'était pas complètement cassé, c'était réparable, hein, mais bon. Effectivement, aucun Lego Star Wars qui est tenu. Mais juste moi, j'ai deux ou trois vaisseaux qui ont tenu et que j'ai gardé. Mais sinon, tous les trucs qu'on... Plutôt, t'en as eu beaucoup. Hein. Parce que j'étais con à l'époque, je sais pas pourquoi. J'avais pas ce chose de manie de les voir, les démonter. Non, mais mal, c'est pas que t'étais con, c'est que t'étais un enfant. Et n'importe quel enfant qui a des Lego, en général, oui. Ça finit cassé. Ah oui, mais quand même, quoi. Quand je repense que j'ai modifié... que j'ai voulu démonter le... tant qu'à 6 pattes. Non, pour, pour en faire un espèce de canon. Alors que le machin, c'était déjà un canon sur pattes, je sais pas ce qu'il a tout. Non, ça je suis d'accord par contre. Je voulais démonter pour faire un truc de sang. Non, mais là, volontairement, c'était un peu plus... Alors, en plus, c'était moche que ce que j'ai fait au final, c'était moche. De construire des décors pour mes figurines et tout. Ça, ouais, pour mes cours, j'aurai des décors. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je me suis renseigné les maquettes miniatures et les décors pour l'échelle des figurines de 15 cm. Ouais. Et c'est du 1 sur 12. Ok. Et du coup, tu peux trouver des trucs. Ok. Donc voilà. Intéressant. Ben, ça peut être pas mal d'avoir des décors. Ouais, j'avoue. Ça peut pas être marrant pour mettre un fond ou un truc, mais c'est pas très beau. Mange des chips, ça, ou quoi? C'est bon, les chips. Lui, c'est un loup qui hurle, c'est chiant. Non. Ah, mais on était en train de manger, là. On était tous en train de manger, tu vois, maman, on l'attendait plus, et puis là, il commençait à faire son rossignol, là, il chantait, là. Il chantait faux. Oh, là. Je préfère qu'il chante plutôt qu'il y ait, quoi. Mais c'est chiant quand il chante aussi. Oh, il chante. Mais bon. Je préfère qu'il fasse rien des deux, carrément. Ouais. On peut pas l'empêcher de s'exprimer, les choses là. Ah, il peut s'exprimer calmement. De quoi? Il peut s'exprimer calmement. Bon, puis là, je sais ce que tu vas dire, mais, ouais, mais toi non plus, tu t'expliques pas calmement. Et... Comment ça va? Mais tu penses à rien dire. Je t'ai mis le... Hein? Tout seul.
voit ce que c'est, bon, là, il risque de débrancher le courant, lui. Hein. Bah, encore heureux à ton âge. Voyons. Voyons. Hop, voyons. Ben voyons. Ben voyons. Bon. Bah écoute, moi je vais te laisser parce qu'on va faire à manger. Ok, bah bon app. Ouais, merci. Merci. Mangez bien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Salut, tonton. Coucou les...